aujourd'hui, j'ai décidé d'emmener Nino aux élections de Kraftkraft. Effectivement, son serveur, l'heure est très grave. C'est aujourd'hui qu'on va savoir qui est le maire de Kraftkraft. Pour les élections, il y a 3 candidats, Frigiel, Mirolam et moi-même. Nous allons tout simplement exposer notre programme aux villageois de Kraftkraft, et ensuite de ça, on passera au vote. C'est tout simple, celui qui réunit le plus de votes remporte la victoire. Nino ? Ouais ? C'est le jour des élections, est-ce que t'es prêt? Oh mec, comment j'ai hâte, t'imagines même pas. Regarde, je me suis préparé. Oh bah, je suis pas trop stylé mal. Là Ouais, je sais, je voilà, sais. Comment il est beau gosse. Ouais, c'est un costume en or, hein, 24 carats, voilà. M'a coûté un demi-million d'euros. Nino, normalement, si j'ai bien compté, je gagne avec la majorité. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien. Mais t'es sûr de toi? Jamais sûr de moi, mais au pire, si je perds, je fais un coup d'état, donc ça va. Ok, ça va. Bon, il y a une suite d'histoire, c'est très bien. Le gang des patates, mais on est en surnombre, donc on va péter la gueule à tout le monde, ça va, tu vois. Ouais, même si j'ai pas vu les autres membres, hein, je dis ça, je dis rien. Bah, il y a Fuse, il y a Clem, il y a Titi, il y a moi, il y a toi. J'ai rien préparé, ok? Je suis un gros bonhomme. Ouais. Je vais lâcher toutes mes meilleures phrases comme ça, random, et je vais forcément gagner parce que c'est moi le plus stylé. Attends, quoi, t'as pas préparé un discours? Non, j'ai pas préparé, je vais y aller avec mon cœur, mec. De toute façon, je suis ton assistant, au pire, t'assistes. On va foutre quelqu'un en prison parce que c'est marrant, ouais. Wow. Ouais. Wow. Et je te nommerai El Presidente. Tu vas être le président. Des chèvres. Et des fleurs. Et des fleurs. Eh, bonsoir tout le monde. Bonjour. Je vous invite à tous venir me suivre là. On va aller devant la superbe horloge. Je vais vous montrer ce qui a été construit devant. Bon, à côté, il y a les tours de l'enfer démoniaque du Mordor, mais c'est normal. Bienvenue aujourd'hui dans cette superbe journée. C'est la démocratie qui est à l'honneur aujourd'hui. C'est bien sûr les votes pour l'élection du maire. Tous les candidats se sont mis sur leur 31, ce que je peux voir. Bienvenue à tous, chers futur concitoyen de Kraftkraft, je me présente, je suis Ninjax. Ouais. Bravo monsieur. Ouais, merci, calmez-vous. Merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour tout simplement parler de mon programme. Alors, ça va être très simple. Moi, mon programme va être en 3 démarches. Déjà, je tiens à dire quelque chose d'assez important. N'ai rien préparé du tout, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler avec le cœur. Tout ce qui me vient sur le moment, bah, je vais en parler, parce que voilà, c'est comme ça que moi, je pense qu'il faut. Et après, je me préparais, parce qu'il faut quand même de la préparer. Bravo! Oui! Ouais! Merci, ouais, oui, merci. Calmez-vous. J'ai beaucoup de points à aborder, déjà, sur l'état du village, et comment je vais faire en sorte que ça devienne un empire, tout simplement. Moi, comme je vous ai dit, ça sera très simple. Un jour, je serai le meilleur maire. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Bravo ! Je parcourrai la terre entière. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les voleurs et leurs mystères, le secret de leur pouvoir. Merci. Bravo ! Merci. Bravo, c'était magnifique. Et tout ce que j'ai envie de dire, c'est voter pour moi et vous serez multimilliardaire, voilà. Après un discours aussi épatant, incroyable et extraordinaire, j'ai décidé d'attaquer fort. J'en ai profité pour accuser Mirolam sur les attaques du gang des patates. Et vous allez voir, ça va fonctionner à merveille. Mais Mirolam n'est vraiment pas blanc comme neige. Mirolam a vraiment des problèmes et Mirolam... A fait des choses horribles. Je vais m'expliquer. Vous vous rappelez, au tout début du serveur, il y a eu un gang qui a sévi et qui a agressé des gens? Non. Eh ben, je pense savoir qui est l'auteur des attaques. Non. Écoutez-moi bien, c'est Mirolam qui a orchestré. Non. Et si. Écoutez, c'est moi qui parle, monsieur Mirolam. Écoutez, vous vous défendrez après. J'ai reçu par source fiable des choses comme quoi vous avez déclenché cette attaque. Venez, suivez-moi. Je vais vous montrer quelque chose d'assez grave. Non, mais c'est la vérité. Ça commence à devenir intéressant. Moi j'aime bien. Regardez ce coffre, il est vide. C'est qui a récupéré ce que contenait ce coffre? Étrange. Ne vous en faites pas, le livre est entre de bonnes mains. Je vous invite à tous revenir au milieu pour qu'on finisse de parler de ça et que je vous montre à quel point Mirolam est un monstre. Est-ce que mon témoin principal peut se lever? Dans ce coffre-là, j'ai trouvé un bouquin. Mais il y avait juste un bouquin. Alors, en revanche, il y a quelqu'un qui a dû ouvrir le coffre avant moi. Il y avait juste un bouquin. Voilà, et le bouquin, après, je l'ai revu dans le coffre, donc je sais pas qui c'est qui l'a récupéré. Il y avait juste écrit, genre, plan secret ou je sais pas quoi, par Mirolam. Ça disait, prenez des masques et faites des trucs. Mais je l'ai plus, le bouquin. Donc, attendez. Donc là, t'es en train de dire que, dans le coffre, il y avait un bouquin qui avait été écrit par Mirolam et qui disait plan secret attaque des joueurs. Il y avait écrit prenez ces masques et allez attaquer, on se retrouve à l'endroit habituel après. Mais il y avait pas de masque dans le coffre, il y avait juste le bouquin. D'accord, ça veut dire une autre personne a repris ce bouquin, intéressant. Qui serait complice? Exactement, qui serait complice? Dans cette théorie là, qui est le complice de Mirolam? Bah c'est Flanou forcément, c'est celle qui la défend de... Flanou, tu vas vider ton inventaire, est-ce que t'as le livre? Non, j'ai pas de livre, j'ai Oui, ça bégaye là, il se passe quoi Flanou? Ouais, ça bégaye un peu. Moi je propose qu'on fasse une
fouille dans la maison de Mirolam pour trouver les masques et le livre. C'est une bonne idée. Oh, go, 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 go. Mais c'est des élections, c'est une fouille, là. Go, go, go. Fouillez, fouillez, fouillez. Ceci est une descente de police. Je ne suis pas un joueur. Les élections, ça devient n'importe quoi. Il y a une tête. Il y a des têtes, oh mon dieu. Alors attendez, attendez. Reprenez les têtes et revenez au milieu. Revenez au milieu. Qu'avez-vous trouvé dans la maison de Mirolam? Il y a une tête de golem. Mais c'est le masque qui a été utilisé pour attaquer les gens. Moi, j'ai trouvé une tête de chauve-souris. Oh, mais mon dieu, c'est les deux masques. Mirolam. Mirolam, tu as donc les têtes. Donc mes sources étaient vraiment fiables. Voilà, je, comme vous pouvez tous le voir, merci à mes détectives privés qui ont enquêté. Voilà, maintenant vous avez pu avoir un avant-goût de votre candidat, que je nomme Mirolam, qui a orchestré des attaques pour les joueurs au début de serveur. Je trouve ça immoral et immonde. Allez Miro, défends-toi. Bouh, Miro. Déjà, je trouve les accusations de mon cher concurrent vraiment aberrantes. Il n'y avait pas vraiment de preuves fondées. Ils sont véridiques. On a trouvé les têtes chez toi. Bien sûr. Et qui dit que t'as pas un complice qui aurait mis cette tête-là. Mais moi, je suis. Moi, j'étais occupé à tuer des Pères Noël géants bodybuildés. C'est vrai. Moi, du coup, j'ai quand même préparé quelque chose. Hein, je suis pas venu. Bon, j'ai quand même parlé avec mon cœur. Moi, j'ai parlé avec mon cœur, Mirolam. Mais on parle avec son cœur. Il ne faut pas préparer quelque chose. Déjà, je vous souhaite la bienvenue sur Aircraft. J'espère que votre séjour se passe au mieux. Principalement, ça va être trois grands points. Des projets de construction pour toute la ville, que vous le savez très bien, moi et les constructions, j'aime beaucoup ça. Bien sûr, on va aborder le point des avantages que vous aurez en votant pour moi, parce que bien sûr, il y en aura. Donc, déjà, par rapport au projet de build du village, il me semble important de créer un métro. Actuellement, c'est vrai qu'on galère à naviguer entre toutes les maisons de chacun des citoyens. Réaliser un métro pour naviguer facilement entre les maisons des habitants. On n'aura jamais le budget pour deux métros. Oui. Qui a parlé des budgets? Faire un métro, c'est pas compliqué. L'aventure du cerf, elle sera déjà finie quand il y aura le métro, hein, je te le dis. Tu connais pas Paris, toi, hein? Les métros, ça pue la pisse. Moi, je veux des navettes privées. Ensuite, alors là, déjà, par rapport à toutes les discussions qui se sont faites, il y a eu beaucoup d'accusations et tout. Donc, au lieu de les faire là pendant les élections, on va faire un tribunal. Comme ça, il y aura des séances, on va dire au mieux toutes les deux semaines, où chacun pourra déposer ses plaintes et puis on discutera tous ensemble des plaintes, des problèmes qu'il y a dans le village. Déjà, moi je refuse la prison d'ailleurs, il n'y aura pas de prison. Quoi? Ah bah alors là, comment la garderie? Le tribunal sans prison, mais c'est quoi ce merde? Comment couler? Non, pas de prison, ça sera la garderie pour garder les criminels parce que. Mais une garderie, ça, c'est pas assez efficace pour une. Comme je dis, il n'y a pas besoin d'être sur deux blocs carrés enfermés pour contenir un criminel. Moi je vais aller en prison si je fais des bêtises, mec. J'ai envie d'être là. Gardé par une chèvre, t'es un fou toi. C'est cool les chèvres. Alors je préfère une chèvre ou des barons? Ouais, la dernière chèvre, elle a invoqué un monstre. Oui, c'est pas, ouais, c'est vrai. C'est lui qui a fait venir la chèvre démoniaque, il a dit que c'était cool. N'importe quoi. Non, mais c'est Nino qui a parlé de chèvres là. Et alors, c'est tout, Miro? La suite, non. J'ai une dernière partie forcément. Donc la suite, vous savez très bien également, je commence à faire pas mal de farms. Donc il y aura quand même quelques accès privilégiés à ceux qui vont voter pour moi aux farms. Genre par exemple, pour XP, genre avoir 30 niveaux en environ une minute, c'est pas trop mal quand même. Ça vous évite d'aller XP pendant 10 ans pour être au niveau 30. J'ai une dernière chose à dire, moi, pour mon programme, par rapport au fait que si vous avez besoin d'aide, par exemple, pour votre maison, des conseils et tout, eh bien, je donnerai mon aide volontiers. Votez Miro! Oui. Votez Miro! Bravo, bravo quand même, bravo, j'applaudis. Ouvrons de la neige. J'ai plus qu'à dire. Voilà, vive Craft Town, vive la démocratie. Bravo, bravo. Ouais, j'applaudis. Ouais. Ok. Alors, bonjour à tous. Certains ici me connaissent depuis très longtemps, une dizaine d'années. Je vous considère tous comme des gens importants, peu importe qu'on se connaisse depuis longtemps ou pas. Parce que... vous êtes des concitoyens de la ville de Craft Town et cette ville est quand même quelque chose de très très beau que j'ai envie d'enjoliver encore plus, puisqu'en effet je ne suis pas quelqu'un de très présent sur cette ville. Malgré tout, j'ai choisi spécifiquement de placer ma maison en hauteur pour garder un œil sur l'évolution de cette ville et je me tiens au courant bien sûr de tout ce qui se passe. C'est pas une maison, c'est une ruine. J'allais dire, il manque un toit et des murs quand même, hein. Je dis ça, je dis rien. En parlant de survie, moi j'ai quand même très peur, puisque nous avons quand même vécu une invasion de démons au sein de ce village, puis également des vols assez nombreux, dernièrement un vol de cheval qui est mystérieusement réapparu quelques jours après. Il y a d'autres raisons de paniquer, notamment la présence du gang des patates. Il y a eu des accusations qui ont été faites précédemment. Je suis pas spécialement convaincu, mais ça laisse quand même planer un peu de doute sur Mirolam. Faut, je pense, mettre un nom sur ces deux compères qui agissent
passe malheureusement dans l'ombre actuellement. Position pour régler tout ça, parce que là, voilà, hein, c'est bien beau de proposer des projets de métro, tout ça, mais on vit dans l'insécurité. On peut pas exactement, exactement. C'est impossible. Donc je propose de construire un mur. Non. Pour l'attaque des titans. Pour entourer la ville de Krafttown. Mais Frigiel, même si tu construis un mur, il y aura quand même des vols à l'intérieur. Ouais, le problème est dans le mur, pas à l'extérieur. Encore une fois, c'est incroyable, Ninja, puisque j'ai une solution à ce problème. Ok, let's go. C'est incroyable. En plus de ce mur, je propose également la création d'une police officielle. En plus de cela, parce que je pense que c'est déjà pas mal, mais ce mur permettrait de limiter, je pense, les attaques du gang des patates et peut-être même les attaques de monstres, parce que quand même encore des monstres qui rôdent. Avez-vous terminé, monsieur Frigiel? J'ai terminé, mais du coup, il n'y a pas de second tour, c'est ça? Non, il n'y en aura pas parce qu'on n'a pas là. Mais est-ce que, avant de faire les votes, je peux toucher deux mots à monsieur Laglace? Vous voulez dire quoi là? En privé, monsieur, s'il vous plaît. D'accord, venez. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Frigiel, monsieur le candidat? Bah, écoutez, moi j'ai l'impression que Mirolam est quand même un adversaire plutôt redoutable. Je propose tout simplement de réfléchir ensemble à une alternative à cette situation. D'accord. Alors, et je tiens à dire. Je tiens tout de même à dire que j'ai des preuves irréfutables qui iront à l'encontre de votre théorie par rapport à Mirolam qui serait à la tête du gang des patates. J'ai un témoin qui vous aurait vu justement agresser d'autres villageois et qui vous associe directement au gang des patates, monsieur Ninja. Free, écoute, c'est moi qui dicte les règles ici. Tu sais très bien que je vais gagner. Tu sais très bien à 99% que je vais gagner. C'est pour ça que j'avais quelque chose à proposer pour ça. Vas-y, question proposée. Je te propose de me retirer de la candidature et de vous apporter mon soutien. D'accord. Et de ne pas diffuser ces preuves. Et tu veux quoi? Une place de choix? En échange, j'aimerais être nommé à la tête de la sécurité de la ville. Trahirait ton ami Sifano? Ben, j'ai des doutes un peu sur lui aussi, hein. Je vais pas vous le cacher, c'est un soutien qui est là depuis de nombreuses années, mais qui m'a de temps en temps un petit peu retourné, les choses dans le dos. Donc. Fais vraiment le meilleur choix avec moi, parce que tu sais qu'avec moi, tu vas gagner les élections, entre guillemets, vu que tu vas être dans la haute sphère. Vous le souhaitez, je nous le souhaite, monsieur le maire. Ça me dérange pas, j'accepte ton choix. Écoutez, je tiens à dire que j'ai beaucoup réfléchi suite au discours de mes deux adversaires et je tiens à dire que je me retire. Oh mais non. Et que j'apporte mon soutien entier à Ninjax. Merci. Tuez-le. Non. Il y a eu ceux qui pensaient voter pour moi. Il n'y a pas eu de tour. Un programme convaincant. Merci, monsieur Frigiel. Il a menacé son programme. Merci. Merci. Nous allons donc passer au vote. Vous verrez ça après avec lui, si vous voulez, monsieur Sifano. Mais pensant, nous allons donc passer au vote. Nous allons dépouiller les voix. Et d'à 5 voix contre 11, le nouveau maire de Krafttown est Ninjax. Ouais, on fait la fête. Ma première directive en tant que super maire de ce village, Poké en prison. Non, sérieusement. Merci à tous de m'avoir élu, vous en faites pas. Je vais faire du bon boulot. Je suis un maire en or et je vais tout casser la baraque. Non, c'est vrai, c'est un mec en or, regardez-le avec cette tenue en or. Regardez ma tenue, ouais. Première directive, je vais utiliser les fonds. Je vais utiliser les fonds que j'ai pour construire un pont entre les deux îles parce que c'est chiant de nager. Ouais. On va ouvrir le tribunal pour que vous veniez porter plainte. Ouais. Et après, je vais nommer tous mes ministres. Déjà, mon ministre des jouets et des animaux, c'est Nino. Le ministre des peluches, c'est Soulraven. Le ministre de la sécurité, c'est Frigiel. Merci. Ouais. Ministre des tribunaux, je sais pas comment on dit, mais c'est Clem. Ouais. Et c'est tout pour l'instant. Ouais. Bon bah merci à tous de m'avoir voté et vous en faites pas, je vais faire du bon boulot. Cette super démocratie. Super. Top. Merci. Nino, on a gagné. Mec, c'est incroyable, let's go. On est président et on est maire, on est tout ce que tu veux, on est les meilleurs, voilà, je le savais. On va aller chill, on va aller faire une boum dans la maison, et let's go. Et let's go. Let's go.